Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, on va invoquer sur le portail Super Dragon Ball Heroes World Mission Invocation Crossover, on l'attendait plus. Si vous n'avez pas eu ma vidéo conseil concernant le portail, bouton U à droite, pareil, si vous n'avez pas eu la vidéo concernant la célébration, bouton I en haut à droite, vous aurez tout ça disponible. Bon, on est un petit peu déçus hein, quand même, parce qu'on s'attendait éventuellement à une petite promotion, 30DS, voire 3 fois peut-être, comme sur les portails, style catégorie, etc. Ce n'est pas le cas, sur Ajap, il n'y a pas eu de promo, mais bon. Comme on a le contenu après et qu'en plus c'est post 300 millions, on s'était dit peut-être qu'il y a moyen qu'ils vont faire un petit geste et bah pas du tout. Donc ça c'est une première chose, bon après c'est comme ça, mais le deuxième point est aussi très important concernant les taux de drop. En fait ils ont laissé ce qu'ils avaient fait sur la JAP, c'est-à-dire 7% sur les autres cartes de la multi, 7% et 3% pour le hors portail, donc 7% détecteur, 3% hors portail. Habituellement on aimerait que ce soit comme ça pour les deux canfes, mais évidemment c'est pas le cas. Ça veut dire concrètement qu'on va avoir tendance à dropper plus de cartes du détecteur plutôt que celles hors détecteur. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle, tout simplement parce que, comme sur la globale, on n'a jamais eu les cartes qui sont hors détecteur, eh bien, on aimerait bien aller en choper quelques-unes. Or, là, on va dropper quasiment que du détecteur, sachant qu'il y a déjà le SSR garanti qui est détecteur. C'est un peu dommage. Sur la JAP, comme les cartes précédentes étaient déjà sorties, je comprends la démarche. C'est même bien, parce que comme ça, tu préfères dropper les nouvelles. Mais sur la globale, comme on n'a jamais rien eu, ça aurait été bien de mettre 5-5 comme d'habitude. Là, du coup, bah, ça va être très compliqué d'aller chercher des cartes hors détecteur. Voire quasi, enfin pas impossible, mais 3% ça va être très chaud. Donc clairement les amis, si vous aviez envie d'invoquer parce que vous vouliez des cartes qui sont hors détecteur, je sais pas, les SSJ3 Xeno, comme moi je voulais le Goku par exemple, Mira, machin, bidule, tout ça, bah clairement ne forcez absolument pas, même les cash players, hein, parce que ça va être très très chaud d'aller chercher ces cartes-là, c'est très compliqué. Donc voilà, après le détecteur évidemment est très intéressant, certes. Oui, mais bon, ok, mais disons que hors portail, il y a quand même pas mal de cartes qui m'intéressent, Baby Janemba, le Goku SSJ3 par exemple, pour citer que. Donc voilà, évidemment, moi, mon objectif numéro 1 sur ce portail, c'est Silas, il est extrêmement bon, il est extrêmement badass, une fois transformé, c'est assez dingue. Voilà, la carte est vraiment magnifique, hein, je kiffe, elle est vraiment très très cool. Donc clairement c'est mon objectif numéro 1. Ensuite bon celui-là, j'ai sur la JAP, franchement il m'intéresse pas plus que ça, il est pas mauvais mais je sais pas, je suis pas trop hypé par le truc, ça m'intéresse pas vraiment. Le Goku pourquoi pas, le Vegeta pourquoi pas, le Gohan, je suis pas fan de l'artwork mais il est pas mal, il est assez bon. Après je préfère dropper le Trunks bien sûr, qui est quand même un peu plus intéressant en soi dans ce qu'il propose. Et là, Sombre Towa, pourquoi pas, même si c'est pas mon objectif principal en soi. Et donc voilà, après hors détecteur, bah, on a tous les autres, hein, évidemment, qui sont cités. Voilà. Donc Paikwan, j'en ai rien à cirer, on va être honnête. Gotenks, pourquoi pas. Baby Janemba, j'aimerais énormément. Boubidi, je m'en fous. Super Saiyan 3 Xeno, les deux, j'aimerais énormément les avoir. Kaioshin, pourquoi pas. Super Mira, pourquoi pas. Demigra, pourquoi pas. Le Roi Son Masqué, pourquoi pas. Et le Saiyan au Masque Noir, pourquoi pas. Voilà, il n'y a pas grand chose qui. Vraiment, la carte que je veux le moins, c'est Super Paikwan, clairement, je. On va pas se mentir, je m'en fous un peu. Et après le reste, globalement, il n'y a pas vraiment de cartes qui me déplairaient. Mais voilà, j'ai vraiment un top 3 de cartes que je veux. C'est Silas, Goku Xeno et Super Janemba. Enfin, Baby Janemba. Mais bon, on verra bien. Alors oui, pareil, pièce bleue. Pièce bleue, bah après, c'est pas un Dokkan Fest, hein, donc ni un portail légendaire. Donc, il fallait pas s'attendre à autre chose. Mais c'est des pièces bleues. Après, tu peux acheter des vieux Kai. Sachant que chaque carte ayant un nom unique, tu peux pas farmer leur SP. Hein. Toutes les cartes qui sont dans ce portail, tu ne peux pas farmer la SP. Donc, c'est peut-être pas si mal qu'il y ait des vieux cailles à récupérer, parce que c'est un petit peu chaud. Bref, bon, sur ce, les amis, je compte sur vous pour envoyer la luck sur ce moment. C'est maintenant, tout de suite. On est pareil. Bon, je pense que je vais faire 3-4 multi, à moins que je braque en 2, mais ça m'étonnerait. Enfin, une ou deux, mais sait-on jamais, hein, mais bon, on verra bien, mais ça m'étonnerait. Mais je pense que je ferai pas plus que 4 multi sur ce portail, c'est déjà pas mal, sachant que voilà, y a pas de promo. Alors, Goten et Trunks, alors si on a un SSJ God, c'est excellent, parce que 3 cartes sur un portail où t'as aucune carte, ça serait incroyable, mais bon, ça va peut-être être pour le détecteur qui est à la fin, donc les animations sont un peu bizarres sur ce portail. Ah, SSJ God ? Non. Clairement, sur ce portail-là, tu veux voir du SSJ God. Ah, je te le dis tout de suite, parce que si t'as SSJ God, t'as 3 SSR, sur la première multi, tu peux potentiellement avoir 3 SSR que tu n'as pas, donc c'est vraiment ouf, quoi. Là, dès qu'il y a un SSR qui arrive... voilà, t'es bien en fait, t'es content. Donc j'espère qu'on va dropper des SSR en plus que le dernier. Parce que ce sera forcément une bonne nouvelle en fait, c'est ça le truc.
Donc ouais, j'espère que le jeu va pas être radin en SSR à côté, parce que ce serait un peu dommage. Sur genre Portail, clairement. Ouais, on veut plus qu'un seul SSR, parce que. Voilà, c'est. Pour l'instant, on part pour un seul SSR. C'est dur. C'est très très dur. C'est très très dur quand tu sais que. c'est maintenant qu'il faut avoir des SSR à côté, clairement. Alors, même si sur les deux canfests, souvent t'as des trucs pas ouf, mais. Là, c'est maintenant qu'il faut envoyer. Mais on arrive déjà à la fin de la première multi. On arrive déjà à la fin, on n'aura qu'un seul SSR, c'est chaud. C'est très très chaud. Et on a le Silas, oui. Ok. Ok, ça me va très bien, ça me va très bien. Un seul SSR, mais le bon directement. Enfin, pour ma part en tout cas. Tout le monde ne veut pas Silas, hein, j'entends bien. Mais moi, je voulais celui-ci en priorité. Il est tombé, c'est parfait. Nickel. Ok, bah, s'il y a qu'un seul SSR de qualité, je dis pas non. Alors après, très sincèrement, sur le détecteur, moi vraiment, là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le hors-portail. Hein. Bon, après, Silas, je cracherai pas sur un doublon, mais... Mais là, clairement, je veux le... Alors, si franchement, je chope le Goku SSJ3 Xeno à la deuxième, ce qui serait assez incroyable vu qu'il est hors portail. Franchement, moi, je plie bagage. Hein. Je me dis, bon, écoutez, bonne journée. Hein, à très bientôt. Allez, faut qu'on fasse péter un SSJ God. Faut qu'on fasse péter un SSJ God, les gars. Si on a un SSJ God, c'est le feu. Allez, monte. Monte. Allez, SSJ God. Ah là 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 là. Faut qu'on arrive à avoir une autre carte, parce que en fait, tant qu'on n'arrive pas à avoir une autre carte sur la multi, on n'aura pas de carte hors portail, parce que le dernier est forcément détecteur. C'est ça qui est dur en fait, il faut vraiment qu'on arrive à choper une carte avant quoi, parce que sinon ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Eh le jeu, on voit des cartes avant. Non mais allez le jeu, s'il te plaît. S'il te plaît, on voit des cartes avant, mais c'est pas possible. Là, je veux dire, là, n'importe quelle carte qui tombe, on est bien, tu vois. Et voilà, bon, non. Bon, je fais une dédicace à Kohai, hein, c'est bon, c'était, enfin, on a discuté hier par rapport à nos... Bon, après, je suis content, parce que c'est pas, enfin, c'est en plus. Mais on s'est dit, voilà, la carte, parce que je vous l'ai dit avant. La carte qu'on veut moi, c'est Super Paikouan. Parce que le mec, la seule catégorie qu'il a, c'est la catégorie de Piccolo. Et c'est tout. Voilà, et on l'a pas sur la globale. Donc en gros, il sert vraiment pas à grand chose. Hein. Et voilà. Et puis même en termes d'artwork et tout, hein, c'est pas la joie. Donc donc voilà, j'ai droppé la carte que je voulais le moins. C'est bon, après, j'ai aussi celle que je voulais le plus. Donc bon, quelque part, ça va. Ça se contrebalance, on va dire. Et le doublon de Silas, mais voilà le jeu. En fait, il te dit, tiens, prends Paikouan, c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde, entre guillemets. Et voilà, maintenant, prends ton doublon. Bon, maintenant j'ai un doublon, c'est bon. Un Silas, c'est bon. J'ai un doublon, ok. C'est parfait, c'est bon. Franchement, c'est rien d'aller chercher plus. Donne-moi d'autres cartes. Donne-moi Vegeta, Goku. Voilà. Bon, allez, on continue, les gars. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout. À moins que là, je braque avec le Goku Xeno, vraiment, que j'aimerais énormément avoir. Mais. Ok, Chaozu tout seul. Walida. Un craquage, mais. Le craquage dans ces cas-là, enfin, ça peut rien nous apporter de spécial. Il faut vraiment qu'on ait des cartes avant. C'est ça qui est important. C'est pour ça que le SSJ God, c'est la meilleure animation à avoir sur ce portail. Parce que les autres animations ne veulent rien dire en soi. Enfin, je veux dire, c'est très bien que t'aies une carte détecteur à la fin. Donc le SSJ God, c'est la seule animation que tu veux absolument voir. Allez, s'il te plaît, un SSJ3 Xeno, au moins un des deux. Ouais. Et bah voilà, au moins un des J3 Xeno, je le colle, il arrive. Et en plus, c'est le Goku, c'est celui-là que je voulais par-dessus. Tu envoies le Vegeta juste à côté. Non, bon, c'est pas grave. Bon, bah, il manque le Baby Janemba et le contrat est rempli en soi. Bon, après, je vais pas les forcer pour le Baby, mais. Mais voilà. Mais c'est parfait. C'est ce que je voulais. Non, bah c'est bon, juste, ouais, le baby, ça serait génial, sinon après... De toute façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, les cartes hors portail, faut pas les chasser, hein, avec 3%, ça va être très compliqué. Non, bah je sais pas, non, bah voilà, je sais pas, ouais, non, le baby, puis c'est bon, quoi. Et la Dark Towa, pourquoi pas, je dis pas non. Bon, on va faire la dernière multi, les amis, on va prier pour un petit baby Janemba.
Et bah sinon détecteur, je dirais pas non à, je sais pas, enfin soit Goku soit Vegeta. Ou alors Trunks, c'est vrai que Trunks CG3 est quand même cool. Après, quand t'as pas de doublon, les cartes perdent quand même un peu de leur efficacité, mais bon. Pour la collection, le Trunks CG3 est vraiment magnifique. Vraiment, je dirais pas non. Allez, on part pour la dernière fois qu'on a un SSJ God. Pour conclure ces invocations, ça serait génial. Ok, le trio, mais... Il faut un SSJ God. Oui, mais Walida, on sait. Ah non, mais non, pas de transfo. Pas de transfo, pas de SSJ God. Bon, en tous les cas, je suis très content, les amis. J'ai eu vraiment les cartes que je voulais en priorité. Baby Janemba, c'est un bonus, mais... Mais voilà, je voulais absolument... Enfin, si possible, si là, c'est le Goku 3, donc... C'est ce que je visais en priorité. Donc, je suis extrêmement content. Maintenant, si on pouvait m'envoyer une dernière carte... hors portail et détecteur, ça serait cool. Ah non, il peut pas y avoir de switch, je crois, sur ce portail. Allez, un petit dernier hors portail. Allez, un petit dernier. Un petit dernier, s'il te plaît. S'il te plaît. Un petit dernier. Un petit, non. Je pense qu'on va avoir que le détecteur. Non, après, je sais pas, franchement, Goku Vegeta. Ouais, peut-être le Trunks, parce qu'il est vraiment... Je suis même pas sûr que ce soit la dernière carte, mais je crois que si. Mais en fait, dans ce jeu, il faut demander, en fait. Non mais dans ce jeu, il faut demander ce que tu veux, en fait. Tu dis, voilà, je veux Trunks, pourquoi pas, et tout. Est-ce qu'il y a moyen de s'arranger? Maintenant, sur le SSR Garanti, tu m'envoies... Goku, Vegeta... Non, franchement, peu importe, en fait. Tu sais quoi, peu importe. Goku, Vegeta... Bah, Goku, bah... bah voilà, bah Goku, très bien, bah, je prends, parce que voilà, Goku, en famille de Goku, il y a très peu de support de cette qualité. Parfait. C'est parfait les gars, franchement, je suis refait. Enfin franchement, à part Baby Janemba, j'aurais bien aimé, mais sinon, en termes de cartes, j'ai eu ce que je voulais le plus. Le Silas, on a même chopé un doublon, c'est parfait, comme ça il sera un peu plus intéressant. Le Goku Xeno, qui est magnifique, qui est très très bon. Le... Trunks, que je viens de call juste avant, et le Goku, enfin voilà, le Goku, je le voulais pas forcément en priorité, mais je le prends avec plaisir, la carte est très belle. Et encore une fois, support en famille de Goku, il n'y en a pas tant que ça, en tout cas de cette qualité. Voilà, je suis refait, donc je suis très content de ces invocations. Donc voilà, on va s'arrêter là, je pense, sur ce portail, j'ai déjà bien défié la chance là, donc on va pas... Voilà, de toute façon, à part Baby Janemba, sinon après, bon, si le Vegeta Xeno est stylé, j'aurais bien aimé qu'il aussi, mais bon... Faut quand même se contenter de ça déjà parce que à 3% ça va être chaud d'aller chercher le reste. Voilà. Et puis bon, hein, faut que les vieux cas y suivent derrière. Donc là ça va le faire, mais un peu plus et bah, j'en ai plus hein, clairement. Ça va être compliqué. Bon, on va s'arrêter là les amis pour la vidéo. N'oubliez pas l'instant soutien. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à passer sur Utip. Hein, tous les liens sont dans la description. Merci à tous. Si vous invoquez, j'espère que vous aurez beaucoup de chance les amis. On se dit à tout à l'heure en live. Des bisous à tous. Portez-vous bien. Bon après-midi. Des bisous. Salut.